Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, petite vidéo réaction. Aujourd'hui les amis, on retourne à nouveau sur le plateau de TPMP pour analyser une toute petite séquence où Delphine Wespizer, je crois que ça se dit comme ça, se prend une vague les mecs. En fait, elle se prend tout le plateau. Ça me fait tout simplement penser à Karim Zerebi qui s'est pris tout le plateau. En fait, quand tu vas chez TPMP, si t'as le malheur d'être un peu ou de parler de la Palestine, il y a tous les chiens enragés qui sont là, qui te sautent dessus. Et cette scène avec Delphine, ça m'a fait automatiquement penser à un dessin animé, Le Roi Lion. Oh, tu miaules. Au moment où Simba est face aux hyènes. Bref, on va se regarder ce tweet. Donc c'est marqué: Delphine essaie de défendre la Palestine. Ils l'ont pas laissé finir une seule phrase. Regardez comment ils se mettent tous à attaquer Delphine, la pauvre. Constatez aussi qu'il y a une liberté d'expression en France. Alors, cette vidéo, je l'ai vue. Mais on va se regarder juste ces quelques secondes qui sont juste avant pour comprendre. Parce que quand je vais vous mettre l'autre vidéo, vous allez dire, en fait, vous auriez rien compris si je vous avais mis l'autre vidéo. Ils font que lui couper la parole. Elle ne peut même pas finir une phrase, les amis. C'est ça la dinguerie. Donc là, c'est marqué, voici le début et voyez comment Hanouna a donné l'alerte pour l'arrêter. Ils veulent pas parler de la colonisation et de toutes les violences et les meurtres qui vont avec. Ni parler de l'apartheid. Ils font que mentir ou cacher la vérité. On écoute. Moi, je suis très mal à l'aise avec ce sondage et je suis très mal à l'aise sur le fait de donner un oui ou un non. Pourquoi ? Parce que pour moi, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, a fait une très grave erreur de ne pas dire que c'est des terroristes. En revanche, ce qu'il a fait, et c'était le précurseur, c'est de dire au tout début, oui, ce qui s'est passé en Israël, c'est horrible, il y avait un émoi mondial et tout ça, mais qu'est-ce qu'il en a été à la base de la Palestine? Donc c'est quoi? C'est qui? De l'œuf ou de la poule? Si, c'est ça. Et c'est pour ça que grâce à lui, il y a eu des marches... Je ne comprends pas ce que tu dis, en fait. Non, j'ai pas compris. C'est quoi le rapport avec... Attends. Ok. Là, c'est le début pour que vous puissiez comprendre ce qu'elle voulait dire au début. Parce que si vous aviez écouté l'autre, vous n'auriez rien compris. On passe maintenant sur l'autre vidéo. Vous allez écouter et ensuite, on va se la réécouter. Et là, je vais pouvoir couper pour dire ce que je pense concrètement. C'est quoi le rapport avec... Attends, mais le début de la Palestine. Laisse-moi... Mais parce que ce qui a été fait en Palestine avant, on n'en parlait pas. Oui, mais ça n'a rien à voir avec un acte terroriste. Il y a eu un attentat sanglant avec des actes barbares. Donc, il y avait un foisonnement. Non, mais s'il vous plaît. En fait, il y avait un foisonnement de manifestations pour l'Israël. Lui a pu mettre en place des manifestations pour la Palestine. Et c'est grâce à ça. Il y a des gens d'un côté. Attends. Non, on parle de la condamnation du Hamas, Delphine. Et c'est grâce à ça qu'en conclusion, on est tous d'accord pour dire aujourd'hui... Tu tombes dans le piège de Mélenchon, en fait. Mais certainement pas moi. Si, tu tombes dans le piège de Mélenchon. Et c'est grâce à des gens... Excuse-moi, Jacques. J'ai encore pas parlé depuis le début de l'émission. Je comprends pas ton point de vue, en fait. Tu justifies une action terroriste sous prétexte que ça se passait mal avant, en fait. C'est ça l'idée? Non, mais pas du tout. Est-ce qu'on peut pas aller dans l'antériorité et savoir... Mais ça s'appelle justifier. On peut pas dire ça, c'est grave. Alors, monsieur le député, faites attention. Faites attention. Mais faites attention. Faites attention, parce que quand il y a des crimes d'une barbarie sans nom, quand on voit ce que j'ai vu, je suis allé au camp de Choura, je revois la secouriste qui me dit, regardez, on a vu un amas de chair, je pensais que c'était une femme brûlée. Ils font un IRM, le lendemain elle apprend que c'est une femme et son bébé brûlé vif. Vous pouvez pas dire, Jean-Luc Mélenchon a la vertu de nous ramener dans le temps long de l'histoire. Il y a quelque chose qui a dépassé le conflit israélo-palestinien. Ce n'est plus le conflit israélo-palestinien. Vous faites vraiment un raccourci sur ce que je suis en train de dire. Non, mais je vous dis, faites attention. Non, je dis, faites attention. Je dis, faites attention. Je dis, faites attention. Non, mais attendez, est-ce que quelqu'un ne comprend pas français, là, en fait? J'ai dit. On comprend très bien, mais moi, je pense que tu es en train de commettre une erreur très importante. Mélanger à des gens qui portent des autocollants à la gloire des types qui ont découpé des bébés et mélanger à des gens qui vous disent, les massacres en Israël n'ont pas existé. Donc, c'est mélangé dans ces manifestations avec des négationnistes, en direct. C'est ce que vous appelez des manifestations pour la paix. C'est pas des manifestations. Ok, c'est ça la vidéo. Maintenant, on va se la réécouter. Je vais pouvoir couper à chaque fois. Déjà, pour la première partie où elle parle, moi, je vous dis ce que j'ai compris. Après, c'est ce que moi, j'ai compris, les amis. Donc, je peux me tromper. Je vous dis ce que moi, j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est tout simplement qu'elle est en train de dire que oui, tout le monde est indigné par rapport aux actes terroristes qu'il y a eu en Israël. Il n'y a pas de question dessus, il n'y a pas de débat. Ok. Maintenant, ce qu'elle veut dire par là, c'est que, premièrement, Mélenchon a fait une erreur, ne pas dire que c'était des terroristes. Elle dit ça. Et ensuite, elle dit, mais par contre, elle a pu mettre, grosso modo, grosso modo, la lumière sur le fait que quand il y a eu toutes ces années des bombardements en Palestine, il n'y a pas eu autant d'émissions de médias qui en parlent de cette façon-là, en tout cas. Voilà. Et qu'aussi, il a pu mettre... autant il y avait des manifestations pour Israël, mais autant il a pu mettre des manifestations pour la Palestine par rapport au bombardement. C'est tout. Ça ne veut pas dire que tu es avec le Hamas. On va le répéter parce que non, ils n'arrivent pas à le rentrer, tu vois. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris. Et j'ai envie de dire une chose, c'est que quand je vois toutes les personnes qui parlent, j'ai l'impression... En fait, la phrase qui me vient en tête, c'est, vous savez, quand on dit « jeter le bébé avec l'eau du bain ». Et en fait... C'est ce que je dis dans plein de mes vidéos. J'ai dit que moi, premièrement, je suis pas croyant. Les mecs, je suis pas musulman, pas chrétien, pas juif, d'accord? Et je suis pas d'un bord politique, ok? On va préciser ça parce que je sais qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent là et qui savent pas et qui me plaquent des étiquettes farfelues. Ok, non, ça c'est dit. Donc, moi, je peux être d'accord avec des propos que, par exemple, je vais donner l'exemple de Zemmour avec le féminisme, mais pas être d'accord avec des propos qu'il peut avoir avec les immigrés. Après, il y a d'autres propos qu'il a avec des immigrés, je suis désolé, il y a des choses, il dit c'est vrai, tu vois. Mais il y a d'autres choses, c'est des dingueries. Voilà. Zemmour, je ne l'aime pas. Profondément, je ne l'aime pas, tu vois. Mais c'est pas parce que je n'aime pas cette personne ou parce qu'il y a des choses où je suis pas d'accord avec lui que quand il dit des vérités, je peux pas dire que c'est une vérité. D'accord? À les écouter parce que Mélenchon n'a pas dit que c'était des terroristes ou bien que Mélenchon, voilà, ils sont pas d'accord surtout avec Mélenchon, ça voudrait dire que quand il dit des choses qui sont vraies, ben en fait c'est de la merde. Et que quand tu vas dans son sens, quand il dit des trucs vrais, c'est que tu te fais manipuler. C'est ça en fait leur façon de penser. En fait, moi, ce qui me fume, c'est que quand je vois ce genre d'émission, je me dis, t'as des personnes âgées comme ça qui ont un niveau d'études 5 fois au-dessus du mien, mais loin, je suis loin derrière, hein, n'ont pas un minimum de bon sens ou de sens critique, les mecs. C'est ça qui me fume à chaque fois. Bref, même si on sait très bien que voilà, la majorité qui sont sur le plateau, s'ils disent rien, c'est juste qu'ils sont... voilà, ils ont leur laisse, hein, on a capté. Hein. Bref, on va écouter. C'est quoi le rapport avec Attends, mais le début de la Palestine. Laisse-moi. Mais parce que ce qui a été fait en Palestine avant, on n'en parlait pas. Oui, mais tu vois, là, la meuf en rose, elle dit, mais c'est quoi le rapport? Mais en fait, elle, ce qu'elle fait, Delphine, c'est qu'elle est juste en train d'expliquer la dinguerie qui s'est passée avec Israël et le Hamas. Les actes terroristes. Elle est en train d'expliquer que dans la situation où on se trouve actuellement, elle découle de choses qui se sont passées. Déjà, premièrement... Moi, pour moi, c'est pas justifié, c'est expliqué, les mecs. Je donne un exemple très con. C'est comme si tu vois un accident de voiture. T'arrives au moment où l'accident c'est déjà consommé, l'accident est là. Et tu vois la voiture A, les personnes n'ont rien. La voiture B, les gens sont claqués, éclatés. Il doit y rester un survivant sur 3, tu vois. Il y a 2 morts. T'arrives, tu dis automatiquement, ah, là, il y a des morts. Donc, ça veut dire que les autres, c'est les fautifs. Et il y a une autre personne qui arrive et qui dit « Attends, on va juste revoir l'histoire de comment on est arrivé à ce stade. » Peut-être qu'il y a des choses qui ont fait qu'on arrive à ça. Voilà, c'est ça qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas en train de justifier, comme avec l'accident, justifier que les personnes ont tué d'autres personnes dans une voiture, voilà, en expliquant. Non, elle est en train d'expliquer la situation dans laquelle nous sommes. Comment on est arrivé dans cette situation. Et quand tu essayes d'expliquer la situation du conflit israélo-palestinien, pourquoi on en est là, ben en fait, tu passes pour une personne qui est en train de légitimer, d'excuser, de justifier et au pire, d'être avec les personnes du Hamas. Donc, tu es un terroriste. C'est ça en fait qu'ils font. Rien à voir avec un acte terroriste. Il y a eu un attentat sanglant avec des actes barbares. Et lui, quand on l'écoute, en plus, lui, je peux pas le voir. Honnêtement, le mec, celui-là, je peux pas le voir. Il a des manières suffisantes. Mais vraiment, il est hautain, il prend de haut. Mais vraiment, les manières, on les voit. Tu vois, on les voit à 10 000. Vraiment, il doit avoir un melon, ça doit être une dinguerie. Donc, je peux pas le voir. Et pour lui, c'est... Oui, mais là, on parle d'un acte terroriste, c'est pour ça. En grosso modo, ça veut dire que c'est parce que c'est un acte terroriste, c'est pour ça que on en parle tant à la télé. Donc, ça veut dire que pendant toutes ces années, quand il y a eu des milliers de bombardements, qu'il y a eu des milliers de morts, ben en fait, on n'en parlait pas parce que c'est pas un acte terroriste, c'est bon, on s'en bat les reins. C'est comme quand je vous l'avais dit dans la première vidéo où j'ai commencé à parler du conflit israélo-palestinien, je vous ai dit, mais quand il y a des dingueries en Afrique noire, tout le monde s'en bat les reins. Et c'est la même chose. Tout le monde s'en bat les reins. Quand il y a des choses avec des noirs, tout le monde s'en fout, que ce soit en Afrique noire, les guerres, ou que ce soit quand ça c'est des choses qui se sont passées, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, en Tunisie, quand des noirs étaient dans les déserts, tout le monde s'en battait les reins. Ou bien en Ukraine, quand la population ukrainienne partait, en tout cas les femmes quittaient l'Ukraine, et qu'il y avait des noirs qui voulaient prendre les trains, il y avait des vidéos. À nouveau, moi j'aime bien rester sur ce qu'on peut, toi quelque chose de factuel. Il y a des vidéos où on voit des noirs qui sont interdits de prendre les trains pour pouvoir fuir le pays. Tout le monde s'en battait les reins. Tout le monde s'en battait les reins, tu vois. Je suis pas en train de me victimiser, je montre juste, tu vois, qu'il y a un deux poids, deux mesures, tout simplement. Et quand tu montres qu'il y a un deux poids, deux mesures, ça ne veut pas dire que tu te victimises. Tu es en train de montrer des faits, en fait, c'est tout. Mais quand on te dit « Ah, ouais, t'es en train de chialer », en fait, c'est juste pour... comment on peut pas contredire ce que tu es en train de dire, ben on attaque la personne, c'est toujours la même chose. Quand on peut pas attaquer tes propos, on t'attaque toi personnellement, tu vois. C'est plus facile et c'est radical, voilà. Donc, il y avait un foisonnement. Non, mais s'il vous plaît, en fait, il y avait un foisonnement de manifestations pour l'Israël. Lui a pu mettre en place des manifestations pour la Palestine, et c'est grâce à ça. Il y a des gens d'un côté, attends. Non, on parle de la condamnation de Hamas, Delphine. Oui, mais voilà, il dit, on parle de la condamnation du Hamas, mais là, elle a déjà réglé ce problème. Elle a dit, ça, il n'y a pas de problème, on le condamne. Et lui, il aurait dû dire que c'était des terroristes. Elle a dit, Mélenchon aurait dû dire ça. Voilà, ça, c'est réglé. Mais non, là, elle est en train d'expliquer comment nous sommes arrivés à cette situation. Et à côté de ça, elle dit aussi que certes, Mélenchon a fait de la merde quand il n'a pas dit que c'était des terroristes, mais à côté de ça, il a quand même fait une chose, c'est faire en sorte qu'il y ait des manifestations pour la Palestine, comme il y a des manifestations pour Israël par rapport aux dingueries qu'il y a eu, mais des manifestations pour la Palestine aussi pour les dingueries qu'il y a en ce moment. Et juste dire ça sur ce plateau, c'est être un paria. Tout le monde te saute dessus. Parce que, attendez, je voudrais quand même vous montrer une chose. Les mecs, là, on le voit, voilà. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus Hanouna, 12. Il y a 12 personnes, sans compter Delphine, qui sont face à elle. Pourquoi je dis face à elle? C'est qu'il y a 6 personnes qui ont pris la parole contre elle. Il y a 6 personnes, j'ai compté 6 personnes. Donc, 6 personnes sur 12 qui viennent contre toi et que dans les 6 autres qui restent, il n'y en a pas un qui t'aide un peu ou qui est un peu avec toi, parce que je ne crois pas qu'elle dit que des dingueries. Pour moi, c'est qu'il y a 12 personnes contre toi. Parce que qui dit mot consent? Vous connaissez cette phrase? En train de commettre une erreur. Attends, merde. Du coup, j'ai avancé. On était là. Il y a eu un attentat sanglant avec des actes barbares. C'est un peu différent. Donc, il y avait un foisonnement. Non, mais s'il vous plaît, il y avait un foisonnement de manifestations pour l'Israël. Lui a pu mettre en place des manifestations pour la Palestine. Et c'est grâce à ça. Regardez, et là aussi, c'est intéressant. Là aussi, c'est intéressant. Les mecs, à chaque fois, je vous dis, les vidéos, depuis qu'on a les enregistrements des émissions qui passent, on peut vraiment analyser pas mal de choses. C'est réel. Là, sur cette scène, on peut voir celle en rose qui tape des têtes en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette conne? Et l'autre qui fait, toi, des manières en mode, toi, il te prend de haut, vraiment un air condescendant de fou malade. Et ça, c'est même plus un non-verbal, hein, mais en tout cas, pour les téléspectateurs, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait un téléspectateur qui regarde cette émission, premièrement il va voir qu'il y a un nombre extrême de personnes qui sont contre une personne, et souvent les gens pas très futés pensent automatiquement que le nombre fait la force, en gros fait le fait que c'est vrai. Plus il y a un nombre, ça veut dire que ça c'est vrai, tu vois. S'il y en a 12 qui disent une chose et qu'il y a une qui dit une autre chose, c'est que les 12 ont raison, premièrement. Deuxièmement, il va aussi consciemment ou inconsciemment boire ce qu'il voit, c'est-à-dire les manières des gens. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est une teubée. Et l'autre qui prend de haut. Donc, inconsciemment, il va voir Delphine comme une abrutie et lui-même, il va peut-être la prendre de haut, mais elle raconte de la merde. Tu vois. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a vraiment plein de choses qui sont renvoyées par cette émission, en fait, les mecs. C'est ce qu'on peut voir quand les émissions ont été screenées ou enregistrées. C'est grâce à ça. Il y a des gens d'un côté, attends. Non, parle de la condamnation de Hamas. Il lui laisse pas finir une seule phrase, les mecs. C'est réel, hein, c'est réel. Delphine, et c'est grâce à ça qu'en conclusion, on est tous d'accord pour dire aujourd'hui... Tu tombes dans le piège de Mélenchon, en fait. Mais certainement pas moi. Tu tombes dans le piège de Mélenchon. Et c'est grâce à des gens... Excuse-moi, Jacques, j'ai encore pas parlé depuis le début de l'émission. À chaque fois qu'il y en a un qui a arrêté de lui couper la parole, il y a un autre qui se rajoute pour couper la parole. C'est une folie, c'est une vraie singerie, comme ils disent. Pas ton point de vue, en fait. Tu justifies une action terroriste ou pas? Justifier, voilà. Quand elle est en train d'expliquer, tu vois, la nuance des mots. Quand elle est en train d'expliquer, elle a dit quoi? T'es en train de justifier. Et c'est ça qu'ils ont fait. En fait, la première chose qu'ils ont fait à la télé, c'est, vous avez pas vu au début, si tu te prononçais pas, si en fait, si tu faisais pas un tweet ou je ne sais quoi, ben en fait, t'étais avec le Hamas. Du coup, t'étais un terroriste, premièrement. Parce que d'abord, c'est un acte terroriste, donc c'est des terroristes. Et si tu ne prends pas position automatiquement sur ça, tu es un terroriste. Premièrement. Ensuite, si tu expliques le conflit, si tu oses expliquer le conflit, c'est que tu es en train de justifier tout simplement ce qu'ils ont fait. Donc, double peine. Est-ce que ça se passait mal avant, en fait? C'est ça l'idée? Non, mais pas du tout. Hein? Est-ce qu'on peut pas aller dans l'antériorité? Ah non, mais ça s'appelle justifier. Ça s'appelle justifier. Non, moi, pour moi, je suis désolé, ça s'appelle expliquer une situation. Et c'est ce qu'ils font constamment. Quand il y a d'autres sujets d'actualité, vous allez les voir, ils vont expliquer. Comment on est arrivé dans ça? Ils vont dire, attendez, mais il s'est passé ça avant. Toi, ils arrivent à être objectifs. Là, ils sont tous dans l'émotionnel, toi. C'est un truc de fou. Dire ça, c'est grave. Alors, monsieur le député, faites attention. Faites attention parce que... Il a dit, monsieur le député va te répondre. Mais déjà, il faudrait qu'elle finisse sa question, ou bien ses propos, tu vois. Elle n'a pas fini sa phrase. Tout le monde l'a coupé, et quand elle veut enfin finir, monsieur le député va te répondre. Répondre à quoi? J'ai même pas fini ma phrase. Quand il y a des crimes d'une barbarie sans nom, quand on voit... Regardez, Raymond, qui d'habitude, franchement, je suis souvent d'accord avec ce qu'il dit, il n'a pas lâché un mot. Lui, il doit se dire, c'est bon, je rentre plus dans cette sauce, en tout cas, je sais pas, après peut-être il pense la même chose. Aucun ne parle. Les seules personnes qui l'ouvrent, c'est pour être contre elle et pour la bloquer. Ce que j'ai vu, je suis allé au camp de Choura, je revois la secouriste qui me dit, regardez, on a vu un amas de chair, je pensais que c'était une femme brûlée. Ils font un IRM, le lendemain, elle apprend que c'est une femme et son bébé brûlé vif. Vous pouvez pas dire, Jean-Luc Mélenchon a la vertu de nous ramener dans le temps long de l'histoire. Il y a quelque chose qui a dépassé le conflit israélo-palestinien. Ce n'est plus le conflit israélo-palestinien. Vous faites vraiment un raccourci sur ce que je suis en train de dire. Mais je vous dis, faites attention. Non, je dis, faites attention. Je dis, faites attention. Je dis, faites attention. Non, mais attendez, est-ce que quelqu'un ne comprend pas français, là, en fait? Ils comprennent très bien. C'est juste qu'ils ont les... derrière eux. Hein? Ils savent. J'ai dit. On comprend très bien. Moi, je pense que tu es en train de commettre une erreur très importante. Mélanger à des gens qui portent des autocollants à la gloire des types qui ont découpé des bébés et mélanger à des gens qui vous disent les massacres en Israël n'ont pas existé. Donc... Alors lui, il dit deux choses. Déjà, c'est une folie. Dites-moi qui a des autocollants, je ne sais quoi, des patchs là, à l'effigie, en tout cas à la gloire du Hamas. Et qui dit que les massacres n'ont pas existé. Franchement, moi, ça me fume quand il parle, lui. Le chialeur, là, qui a... Ah, bref. Et du coup, là, ce que j'ai envie de dire, c'est de quoi il parle, de quel massacre. Parce que pour ce qui est de l'attentat, que tout le monde a vu les vidéos, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un attentat. Personne n'a dit que ces actes n'ont pas existé, premièrement. Maintenant, s'il parle de bébés qui ont été décapités ou de bébés qui a été mis dans le four, truc, moi, je vais vous dire une chose. Vu qu'il y a eu déjà, par rapport au conflit israélo-palestinien, il y a déjà eu des fake news. Les mecs, il y a déjà eu des fake news. Donc, je préfère y aller piano-piano, me dire, attendez, est-ce que c'est vrai? En tout cas, si c'est vrai, c'est une dinguerie de fou malade. Pourquoi je dis ça, les mecs? Pourquoi je dis ça? C'est que, bizarrement, avec le peuple palestinien, ben en fait, quand on entend que oui, il y a des bébés qui meurent, etc., ben moi, je vois les vidéos. Hein. Bizarrement, je vois les vidéos parce que je sais que quand je dis, mais on voit pas de vidéos de bébés malheureusement israéliens, c'est pas que je veux les voir, mais c'est des choses qu'on peut voir. On va me dire, mais tu crois qu'ils vont les poster? Bizarrement, les vidéos de bébés israéliens morts ou démembrés, etc., je les vois passer, hein, les mecs. Hein. Je les vois sur Twitter, je les vois sur Instagram même. Certes, les posts ne restent pas longtemps, mais les personnes qui les postent pour que les gens les voient, tu vois. Pourquoi ces trucs-là, on ne les voit pas, tu vois? Je suis pas pervers, c'est pas que je veux voir ça c'est pas mon côté pervers qui veut voir ça, mais c'est juste... Je me dis, c'est bizarre, tu vois. Je me dis, c'est bizarre. Maintenant, le simple fait de te poser la question, est-ce que ces histoires sont vraies? Ça te fait passer automatiquement pour, regardez ce qu'il va dire, négationniste. Automatiquement. Ça veut dire que si eux t'apportent des faits sans preuve, que tu peux réfuter sans preuve, hein, parce que quand quelqu'un t'apporte quelque chose sans preuve, tu peux le réfuter sans preuve. Hein, c'est aussi simple que ça. Il te dit qu'ils ont fait ça, tu dis non. Il va te dire mais montre, prouve-moi que c'est pas vrai. Mais toi déjà, prouve-moi que c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est toi qui apporte des choses. Toute personne qui vous apporte des choses sans preuve, vous pouvez le réfuter sans preuve, tout simplement. Donc, quand tu réfutes ou que tu te poses la question, tu passes automatiquement pour un négationniste. C'est un truc de fou. Donc, si on analyse bien la situation actuelle, ça veut dire que, premièrement, tu dois faire un post Twitter ou je ne sais pas, tu dois vraiment prendre parti et dire que c'est des états terroristes, etc. Tu dois faire ça. Ensuite, tu ne dois pas te poser de questions quand eux t'apportent des affirmations sur des faits qui se sont passés ou quoi. Tu ne peux plus dire est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Non, c'est vrai et tu n'as pas le droit de te poser la question. Et ensuite, tu n'as pas le droit de vouloir comprendre comment on en arrive à aujourd'hui dans cette situation. C'est mélangé dans ces manifestations avec des négationnistes. Donc tu passes pour un négationniste du moment que tu te poses la question, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? C'est tout. Pas direct. C'est pas ce que vous appelez des manifestations pour la paix. C'est pas des manifestations. Voilà. Après les mecs, je sais pas si je me suis très bien fait, je me suis très bien exprimé cette fois-ci là. Je sais pas. Un peu fouillis quand même. Mais voilà, dites-moi les mecs ce que vous en pensez et n'oubliez pas les mecs. Dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, en tout cas, on essaye, mais surtout dans le respect et en argumentant, s'il vous plaît. Et on se dit à une autre vidéo. Allez, peace les amis.